Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un peu de Transport Fever 2 de nouveau. On va continuer un peu la nouvelle map française que j'ai débutée dernièrement. Et alors, le problème, comme d'habitude, par où commencer? Parce que c'est bien de faire une gare relativement centralisée avec plusieurs lignes, mais qu'est-ce que je vais? Par où je vais? Voilà, c'était la question. Du coup, j'ai donc d'abord, pour une fois, j'ai d'abord placé les villes. Je rajouterai peut-être un ou deux patelins. Je changerai des noms, hein, parce que on est d'accord qu'il y en a, c'est... Alors, autant Annecy, ok. Quimper, why not. Neuilly-Plaisance. Muret. Château-Renard. Hasbrook, Luxeuil-les-Bains. Los, je savais même pas qu'il y avait un patelin français qui pouvait s'appeler comme ça. Los, Aria, ça doit être en Alsace ou un truc du genre. Bon, peut-être près de la Suisse. Berlétan, enfin bref, vous avez compris, les noms sont... voilà quoi. Bon, il y a Créteil, ok, il y a Molsheim. Mais je veux dire, vous avez pas de Lille, vous avez pas de Paris, vous avez que des noms de patelins. Les trois quarts, j'ai l'impression que c'est vraiment des petites bourgades qui doivent se trouver au fin fond d'une campagne ou dans des coins paumés, je ne sais pas où. S'il y en a qui habitent dans ces coins-là, désolé. Hein, voilà, vous savez, je vis dans un coin paumé. Techniquement, je vis presque dans un coin paumé et en Belgique aussi. Hein, enfin, en tout cas, wow. Bref. Du coup, je me suis dit, alors... Est-ce que je suis assez con pour essayer de faire des grosses lignes ou est-ce que je vais d'abord donner vie à une ou deux petites lignes simples et ensuite commencer à faire agrandir le tout autour en utilisant ça un peu comme base pour certains coins. Et finalement je me suis dit, bah, vous savez quoi, il y a deux RER qui doivent partir, et bien on va faire les deux RER, comme ça on se casse pas la nénette, voilà. Alors on en fera 15 cette fois-ci, parce que 2, ça sera peut-être un peu long. Mais, voilà, donc le but ici, ça va être simple. Ça va être assez simple. Donc les RER, ce sont les deux voies ici, externes. Plutôt que de faire une voie double, je me suis dit, et si je faisais deux voies uniques, mais pour faire deux boucles séparées, donc une boucle de ce côté-ci. Oui, c'est un RER qui va faire un sacré trajet quand même aussi, mine de rien, j'avoue. Et une boucle qui partirait et ferait ces côtés-ci. Ce qui veut dire qu'en fait, à Alloin, il devrait essayer de se rejoindre, de se retrouver. Ensuite à Arpajon, et puis il y a la séparation pour faire les deux boucles. Donc boucle Est, boucle Ouest en quelque sorte. Enfin, droite-gauche, parce que Est-Ouest ici, je sais même pas comment je pourrais les mettre. Voilà, donc ça... C'est le projet, je vais faire une des boucles, et on mettra peut-être déjà un train dessus, histoire de dire, hein, histoire de donner un peu de vie, et surtout, bah, en fait, surtout, de donner de la vie. J'ai déjà relié en partie via une route de campagne, je mets pas d'autoroute, j'aime pas. J'aime pas les autoroutes, il faut mettre une d'un côté, une de l'autre. Je trouve ça super chiant, ça aurait été 100 fois plus simple si on avait moyen d'avoir... La droite et la gauche, en une fois, vous voyez ce que je veux dire, comme ici, quoi, avoir droite, gauche, bref, pour faire une autoroute d'un bloc et pas avoir des sens uniques à la con à grande vitesse. Bref, je vais arrêter de râler. Quimper, j'ai dû un peu retaper. Avant, c'était pas Quimper, là, d'ailleurs, parce que le terrain est dégueulasse. Je sais pas comment je vais faire pour me débrouiller. Bon, bref, allez, on se met au boulot.
voilà, c'est fait. Finalement, j'ai craqué. Je me suis dit, je vais faire les deux lignes. Bien, bien sûr. Attention, les gares, c'est vraiment fait au pif. Hein, je les pose là. C'est peut-être provisoire pour certaines. Hein, voilà. Et j'ai pas encore fait de décoration ni la signalisation. Je le ferai ici. C'est dégueulasse. Ici, c'est dégueulasse. Je vais peut-être faire. Le truc, c'est que est-ce que ça vaut le coup que j'essaye de le faire alors? Sinuer un peu plus par là pour descendre. Ça, je le referai. Je le referai peut-être. Ou alors, je le refais maintenant, tout de suite, sur le champ. Ah. Difficile de savoir. Alors, si on prend du 120, on va essayer. On va faire un essai. Alors. On va faire un essai. Ouais, admettons. Ah, oh, la collision qui va m'emmerder, forcément. Alors, si à la place on le faisait partir d'ici, voilà. Attendez. Construction impossible. Tu m'emmerdes avec construction impossible. Admettons, je pars de là. Ceci, c'est peut-être un peu plus souple quand même. On passe au-dessus des arbres en plus, et il me faut ça. Ça comme ceci. Et il va me falloir descendre plus sec. Ah non, j'y arrive pas. Faudrait que je ou alors faut que je fasse tout le tour en fait. Parce que là, j'avoue que ça fait ça fait plus ligne suisse que française quand même. Je suis désolé, en France, vous avez pas des lignes spécialement. Je les trouve pas ouf. Enfin, elles sont pas inspirantes. Personnellement, hein, c'est personnel. Hein, quand je vois les lignes françaises, ça m'inspire pas. Ça arrive. Hein. Vous savez, quand je regarde les lignes belges, c'est pas inspirant non plus, hein, vous inquiétez pas. À nous, à ce niveau, on est... Wow. Ah, les lignes belges, ça est inspirant, et une fois, fieu, tu parles, putain. Quand tu vois ce que t'as comme, comme paysage quand tu vas vers Liège... Liège, Louvain, Louvain, tous ces trucs-là, c'est nul. Nul, nul, nul. Et là, il y a des joueurs qui vont faire non, c'est pas vrai, tout ça, la ferme. Voilà. Non. Bon, d'accord, il y a pire, Charleroi. C'est celui qui me dit non, c'est pas vrai, Charleroi, c'est très bien. Non. Juste non. Juste tais-toi. Juste tais-toi. Non, non, non. Alors, on va faire ça avec une butte comme ceci alors. Voilà, en fait, j'ai fait tout un truc de tour à la con. Je suis pas fan du nouveau son de destruction des rails. Enfin, la destruction tout court, mais... Ah, vous comprenez, c'est pour que ce soit plus reconnaissable. Sûrement une excuse comme ça. Mais non, je suis désolé. Allez, on va mettre des trains dessus, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Mais en ce qui concerne donc les bus reliés aux villes, etc., ça, je vais le faire off-cam, tranquillement. Donc on a un tunnel à la con ici, je ferai un peu de déco aussi, bien sûr. Hein. Si je prends du 60... Voilà. Alors, il y a juste un truc qui me chiffre. Oui, on s'en fout du sens des caténaires, hein. Je le dis tout de suite. Alors, je croyais que les caténaires étaient autrement. Bien, ça c'est bon, c'est mis. Donc, on va mettre les rames.
Ça rime et ça rame comme tartiner butterame. Désolé, je sais pas pourquoi il fallait que je la sorte. Enfin voilà, donc vous l'aurez vu, les lignes, hein, c'est... Bon, ici il me fallait un viaduc parce que on a potentiellement les voies du dessous qui peuvent partir à droite, à gauche, et rester à ce niveau-là un temps, donc autant avoir ça. Maintenant, vu qu'on a ligne 1 et 2, déjà on va les renommer. Donc celle-ci c'est la boucle. On va mettre le RER West. RER Est. Voilà. On va dire qu'à gauche, à droite, voilà, c'est mis. Maintenant. Lesquels mettre parce que... En plus, je pourrais mettre des trucs comme ça. C'est... Fais quoi que, bof. Bof, c'est vrai que c'est pas fou. Il y a quoi d'autre? Il y a les talents 2, mais ça, c'est... Bon, déjà, ils peuvent faire du 160, et surtout, je trouve qu'ils auraient leur place plus dans une ligne plus droite et plus en de grandes villes. En revanche, donc on a ça et ça. Donc, on a Suisse. Les deux, c'est les mêmes, un peu de choses près. Alors, j'ai une préférence pour celui-ci. Mais ça fait très citadin, donc on va plutôt mettre celui-là. Si j'en mets deux l'un derrière l'autre, c'est bof. Donc on va en prendre un. Et lui, on va le mettre sur la ligne... On va le mettre sur la ligne... Ouest. Ou Est. Ah. Ça, c'est la bonne question. Qu'est-ce qu'on a en... Qu'est-ce qu'on a ici en choix? On a le Île-de-France Carmillon. Transilien. Alors le Transilien serait peut-être bien. En 5 caisses. Ah, c'est peut-être un peu grand. Quand même. En 4 caisses. Donc lui, ce sera sur l'Ouest. Ah, le moment où le PC est en train de faire et qui va planter. Putain, tu vas pas me dire que tu vas planter, pitié. Merci. Et hop, celui-ci sur l'Est. Ouf. Il m'a fait sursauter ce con. Un peu accéléré, on va voir. Donc les voies de dessert sont propres. C'est parti mon kiki. Surtout, là je check surtout pour voir s'il n'y a pas de dénivelé dégueulasse, etc. J'en vérifierai plus tard encore, hein, mais... On va faire tout le trajet, je vous rassure. On va mettre des parapets, des barrières. Faire de la déco, ici il faudra arranger ça. Allez, j'aime bien, ouvrez, fermez. Les personnes, de toute façon, on s'en fout. Est-ce qu'il a assez de jus? Ok, clairement, le jus, il l'a. Et celui
qui se trouve de l'autre côté et que comme un con, en fait, j'ai relié du mauvais côté. Non? Ah non, d'accord, il est allé à une et puis il fait le retour. D'accord. Hauteur du quai. Norme, 960, c'est le max que j'ai là. Normalement, il faudrait du. C'est du 1100, je crois. Truc du genre. Mais ça va. Allez, moi, ce que je vais voir, c'est par rapport à. Au passage par ici au-dessus. Tirer là. Voilà. Arrêt, redémarrage. Les cabines, c'est pour voir si c'est pas trop. Oh là là, oh là là, il y a des boss. Il y a des boss. Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Aucune idée. Peut-être que je change les trucs ici quand même parce que c'est un peu dégueulasse. Et juste voir alors la descente, comment ça se passe. Ça va, c'est les relativement souple. Chouette, on peut activer le klaxon nous-mêmes maintenant. Bien, bah, ça a l'air de bien se présenter. Il ne reste plus qu'à faire les décorations, relier les villes entre elles, et on a débuté, voilà. Je suis pas. Je vais pas dire que je suis content. Hein. Je. Honnêtement, là je fais vraiment un peu. C'est un peu à la zob, j'avoue. Mais de toute façon, l'idée que j'ai, c'est déjà ici, il y aura. Donc cette gare-là est exclusivement pour le RER, il y aura d'autres gares séparées. Les RER, je pense que je vais laisser les gares séparées du reste, à part ici par exemple, ou peut-être. Je sais pas. Il y a peut-être une autre ville où, ça, par exemple ici, ça sera connecté avec le reste, je ne sais pas. C'est sujet à modification, de toute façon, là, je vais vraiment pas me prendre le chou. Comme c'est là, au moins, comme ça, j'ai un réseau ferroviaire qui va me permettre déjà de travailler un peu le réseau routier en parallèle. Même si je vais encore changer ça. Ouais, ici, clairement, de toute façon, il y aura une autre gare. Ça, c'est sûr et certain, parce que... Quimper, j'ai quoi qui doit aller à Quimper? J'ai au moins un TER qui doit aller du côté de Quimper. Ça va être... Oh là là, ça va être coton. Ça va être coton. Je sais pas comment je vais goupiller ça. Ah, peut-être une gare souterraine. Une gare souterraine avec la sortie juste ici. On sait jamais. Je verrai bien. Voilà. Allez, toujours est-il que c'est là-dessus qu'on va se quitter. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao.